Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale Make-up Fest. C'est un maquillage assez rapide que je vais vous montrer. Je vais vous montrer tous les produits que j'utilise, les pinceaux, etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petits commentaires, des questions à me poser. Alors donc je commence par appliquer ma base de chez NYX, la base Pore Filer, justement pour affiner le grain de peau et pour réduire l'apparence des pores. Pour justement flouter l'apparence des pores et fixer mon make-up. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint lingerie de peau avec un blender, donc sur tout le visage, du centre vers l'extérieur. Le fond de teint lingerie de peau, il est bien parce qu'il unifie, mais tout en transparence. Donc je vous le conseille vraiment de chez Guerlain. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne correcteur Perfection en 20 de chez Chanel en dessous de l'œil, justement pour retirer, pour défatiguer le contour de l'œil et ouvrir le regard. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau anti-cerne de chez Sephora numéro 46. Après, je vais poudrer mon teint avec la palette contouring de chez Nocibé, avec le gros pinceau poudre Nocibé. Au niveau de la palette contouring, je vais prendre le tout premier fard, le fard le plus clair, et je vais, enfin la poudre la plus claire, et je passe sur tout mon visage pour fixer mon make-up. Ensuite, je vais mettre une base de chez Clarins sur mes yeux. C'est une base fixante paupière pour faire tenir mon maquillage un petit peu plus longtemps. Donc vraiment la mettre sur toute la paupière pour unifier, camoufler les petits vaisseaux et faire tenir le make-up. Je vais structurer mon visage avec la palette contouring. Donc j'utilise le fard en bas au milieu, au niveau des teintes foncées pour vraiment structurer le visage au niveau des joues. Et je réchauffe aussi un petit peu le teint, donc au niveau du front également. Donc une fois que c'est fait, je vais passer au niveau des yeux. On va commencer les yeux. Alors du coup au niveau des yeux, j'ai unifié ma paupière avec la teinte White Chocolate. Donc je vais vous mettre toutes les références en barre d'infos. C'est la palette Chocolate Bar que j'utilise vraiment sur quasiment toutes mes vidéos. Ensuite je vais prendre un crayon gras et je vais venir tracer au niveau de mon ras de cils un trait un peu grossier que je vais estomper avec un pinceau. Donc un pinceau... Je vais prendre un pinceau de chez Sephora, c'est le pinceau estompeur paupière numéro 14 et je vais venir estomper sur toute ma paupière pour me faire une base grasse. Ça sert aussi à fixer le fard et à donner quand même un côté un peu smoky. Donc ensuite je vais appliquer sur mon œil donc le Candide Violet, c'est le fard, l'unique fard violet de la palette que j'adore, qui est vraiment pailleté. Donc je trouve que pour les fêtes, ça change un peu aussi de tout ce qui est noir, etc. Voilà, j'avais envie de partir sur le violet. Donc je l'applique en aplat sur toute ma paupière. Je dépose simplement le fard, je le dégrade pas. Je l'applique donc en aplat sur le fard gras que je viens de poser. Donc on reste sur la paupière mobile, on ne monte surtout pas sur la paupière fixe, on ne dépasse pas. Donc une fois que cette couleur est appliquée, je vais passer dans mon creux de paupière le Milk Chocolate que je vais vraiment bien dégrader. Donc celui-ci, je vais l'appliquer avec un pinceau paupière fin. C'est un pinceau estompeur numéro 22 de chez Sephora. Et je le dégrade, je le dégrade, je le dégrade, je le dégrade. Donc une fois que c'est fait, je vais appliquer au centre de ma paupière le fard crème brûlée, donc c'est le fard doré de la palette Chocolate Bar. Je l'applique en aplat sur ma paupière avec mon doigt, simplement. Voilà, j'ai oublié de préciser qu'en fait au ras de cils en dessous de l'œil, donc ras de cils inférieur, j'applique à chaque fois donc le crayon noir, le fard violet et le fard marron, vraiment pour qu'il y ait un ensemble uniforme. Que ce qui se passe en haut soit répété en bas, vraiment pour avoir le smoky et une ouverture, une belle ouverture d'œil. Je vais appliquer donc de la gamme Makeup Artist, c'est un fard gold, voilà, c'est une petite poudre irisée gold que je vais appliquer par dessus. Ensuite je vais mettre mon mascara, donc Dior Show, que je vais appliquer au niveau de mes cils, hein, de la base jusqu'au coin, jusqu'au
jusqu'à l'extrémité de mon cil pour ouvrir mon regard. Donc moi, vous avez remarqué, je l'applique que en haut parce que si je l'applique en bas, ça fait vraiment pas de d'araignée. Je trouve pas ça vraiment joli. Donc ensuite, une fois que mes yeux sont faits, donc j'ai fait mes sourcils également. Donc après, une fois que ça c'est fait, je vais passer aux lèvres. Et au niveau des lèvres, j'applique sur toutes mes lèvres le crayon de chez Bourjois numéro 18 pour unifier ma lèvre et vraiment bien la redessiner. Et ça va également, en l'appliquant partout, fixer le rouge à lèvres que je vais mettre par-dessus. Au niveau du rouge à lèvres, je vais appliquer le Marc Jacobs. Donc c'est une teinte rose nude qui s'appelle 102 Strange Magic. Je l'applique vraiment qu'au centre des lèvres pour donner un aspect un petit peu ombre ellipse. Le côté aussi volumateur, donc je l'applique que au centre de ma lèvre et ensuite je vais appliquer sur toute ma lèvre un gloss qui ne se fait plus en Lancôme, c'est le 321. C'est un gloss avec des reflets un petit peu bleutés, je l'ai trouvé joli parce que il est très pailleté, donc je l'applique sur toutes mes lèvres. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, ben c'est terminé. Moi je vous conseille pour un maquillage festif de rajouter des petites paillettes. Donc là c'est une poudre de diamant de chez Make Up For Ever, Diamond Powder, c'est la référence 02. Donc c'est les paillettes un petit peu argentées. Je trouve que c'est vraiment joli, c'est même plus fin que de la paillette, c'est vraiment c'est pour ça qu'ils appellent ça de la poudre de diamant, parce que chez Make Up vous avez aussi de la paillette mais c'est beaucoup plus gros. Et on a tendance à... ça vole un petit peu partout, du coup là je trouve qu'elle reste bien en place. C'est vrai que c'est un maquillage que vous pouvez faire pour les fêtes mais également pour une occasion, un dîner ou un anniversaire. Enfin voilà, c'est vraiment pour changer un petit peu d'habitude. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je me répète, mais je vois que vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses à partager, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Donc là en fait voilà, au niveau de ma tenue, c'est simplement j'aime les choses simples. Donc là je suis restée sur juste une veste pailletée noire avec un bustier noir. Et au niveau du collier, il vient de... une boutique en ligne que je vais vous mettre en barre d'infos, donc si vous voulez aller la visiter, vous avez quelques colliers sympas, c'est la boutique aux 1000 articles.com. Et ben voilà, du coup j'ai fait le tour du make-up, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, des bisous, à bientôt, salut salut.